Il se regarde à la glace comme font tous les enfants. Il aime prendre de la place, se montre devant ses parents, en faisant des grimaces pour attirer de l'attention. Et parfois, quand ça l'agace, il lève le ton, comme finalement le font, au fond, tous les gamins traversés par leurs émotions. Traversés par leurs émotions. Mais il n'est en rien dangereux, il veut juste bien se rassurer face au lieu de ses repères, qui le rassure, qui le rassure. Il peut faire les montagnes russes, lever la voix ou bien se taire juste dans son silence. Propriétaire de ses murs, où il avance, traîne, dans des endroits si purs que l'intolérance injure, que l'ignorance murmure et juge. Et juge. Juge sans en connaître ces lieux, sans se permettre de comprendre mieux cette différence, cette différence. Cette différence, cette différence. Malgré cette critique gratuite venant du cirque de ces cerveaux d'huîtres, si ignorants, ce petit bambin est si magique et apporte, c'est certain, un nouveau genre d'enfant qui indique une capacité qui fréquente des mystères, des cités déserts, de mondes inconnus, mais tant à nu cette âme qui reste perchée, en train de voler et passe entre deux ou trois nuages pour accéder à la pente lui permettant l'élan sans vraiment l'atterrissage sur cette planète Terre. Sur cette planète Terre. Cet incroyable bambin va dans d'autres pistes que fréquentent les chérubins se posant dans ces hautes pistes. Oui, cet enfant est autiste. Oui, cet enfant est autiste. Il agrippe ses parents, il est tellement attachant, souriant, souriant. Il a finalement seulement eux comme guide et juste quelques personnes, loin des regards acides qui se comptent en tonnes, aveugles par leur jugement. Ils ont perdu leurs yeux. Ils ne permettent pas à cet enfant d'être un peu plus chanceux pour fréquenter l'école et pouvoir apporter un peu de son nouveau sol, un peu de son rare terrain si plein de richesses inconnues qui redonnerait la vue à ces aveugles radicaux qui ne font pas ce qu'il faut, non, qui ne font pas ce qu'il faut sans donner du sens à ce qu'ils aiment tant exclamer. Liberté, égalité, fraternité, en totale contrefaçon, en totale contrefaçon, c'est si con, c'est si con. Il a juste un cerveau qui va à mille allures. Peut-être pas beaucoup de mots, mais tout un dictionnaire qui brûle, qui brille dans les entrailles de sa vieille âme si nue, remplie de tant de médailles, grâce à tout ce qu'elle a su dans ses anciennes vies, dans ses anciennes vies. Mais faisons taire le silence, bousculons la terre de l'insolence qui croit détenir tous les pouvoirs. Continuons et continuons, persistons, faisons entendre nos voix pour obtenir la voix d'une légitime entrée à ce petit ange si blessé qui continue à voler en attendant de pouvoir se poser sur le banc de la scolarité, en attendant l'évolution, l'acceptation de l'éducation, nationale, où l'on espère qu'elle roulera en empruntant la nationale de la compréhension, de la compréhension. Ce petit enfant au regard insouciant, à l'intelligence aiguisée, si connectée, attend les bras de la société pour être accepté comme l'acceptent tous ses habitants, ses camarades célestes, jouant tout le temps,
avec lui, jouant tout le temps avec lui. Il l'approche sans aucun reproche et l'invite à ses hautes pistes qui accueillent tous les autistes. Qui accueillent tous les autistes. Mais il est temps pour cet enfant de recevoir aussi sa légitime entrée. Oui, sa légitime entrée. Le droit d'entrer dans cette terrienne et proche piste que tous les enfants aiment fréquenter sous prétexte qu'ils sont dans la normalité. Mais qu'est-ce que la normalité? Mais qu'est-ce que la normalité? Que l'on vienne nous l'expliquer. Alors il est temps aussi que cet enfant accède à cette terrienne piste. Il est temps et je persiste afin que l'on arrête ce système de merde si raciste. Oui, j'insiste pour qu'on laisse un bout de cette piste à cet enfant autiste afin qu'il atterrisse normalement comme tous les enfants. Afin qu'il atterrisse normalement. Comme tous les enfants. Comme tous les enfants. Oui, j'insiste, pour qu'on laisse un bout de cette piste à cet enfant autiste, afin qu'il atterrisse normalement, comme tous les enfants. Normalement, comme tous les enfants. L'amour. Bonjour. Je suis la maman de deux enfants autistes. L'un a 22 ans et l'autre 5 ans et demi. Il faut être ouvert d'esprit comme les autistes. Soyons ouverts d'esprit comme les autistes. Il faut aider l'autisme en France. Les enfants autistes que j'ai rencontrés comme maman ou comme intervenante avaient une culture à eux. Mon fils chantonne des chansons à nous. J'ai remarqué qu'ils avaient une musique du cœur bien spécifique à eux. Lorsqu'ils se balancent aussi, c'est aussi leur danse à eux. Mon fils aime danser. Il semble si différent des autres, un peu comme s'il venait d'un autre pays et même d'une autre dimension. Mais justement, non. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont de chez nous. Ils sont purs et sincères. Ils ont plein de choses à nous apprendre. Même quand ce qu'ils font nous effare. Car leur attitude est emplie d'une énergie conductrice d'amour. Si on apprend comment ils vivent, eux, et à faire comme ils font, ils auront envie de venir à nous. Et peut-être même qu'ils auront plus envie d'apprendre comment c'est chez nous, et à faire comme nous faisons chez nous. C'est comme ça qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut communiquer, qu'on peut avoir des relations. Être différent, ce n'est pas forcément être malheureux. Je crois que c'est plutôt nous qui sommes malheureux que les autistes soient différents, non? C'est pourquoi il faut comprendre que leur dimension est la même que la nôtre. C'est juste notre regard qui change sur la compréhension de la dimension dans laquelle ils vivent. Il faut cesser de les mettre à part et nous devons arrêter cette captivité
des personnes autistes dans notre système actuel. Apprenons, mais apprenons ensemble à vivre. Car finalement, je suis différent comme toi. Je suis différent comme toi. Sauvez l'amour! Quand t'as plus de normes. Bravo, comme ça.